Salut tous, salut, bienvenue dans toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour, eh bien tout simplement, la salle, une course qu'on va tester cette fois-ci. La salle c'est quoi? Eh bien c'est une course niveau noob, ensuite on testera une course level un peu plus compliquée, et ensuite on ira niveau pro. Alors attention, ça va pas être non plus du professionnel abusé, genre asian. Oh là là, oh là. Tu fais des gommes la salle, je vois. Si j'entends, ouais, tu ouais, fais, oh là 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 là. Alors j'ai invité oh du my monde, God. On est pas mal, on est 16. Oh, j'ai eu de la chance. J'ai eu le bon timing là, ça. Je crois que j'ai eu le bon timing. Donc là, on est vraiment sur une course niveau noob. C'est-à-dire que tous les joueurs peuvent finir cette course, hein, sans exception. Vraiment tout le monde. Si vous finissez pas cette course, c'est vraiment qu'il y a un problème au niveau du jeu, quoi. Hein. À mon avis, il faut plus lancer GTA, là, ça, là, je pense, hein, si tu finis pas cette course. Bon, en tout cas, je suis premier. En même temps, j'ai eu l'avantage de partir en première position et de prendre le départ boost, donc forcément, eh bien, je ne suis pas dans le troupeau derrière. Et quand vous n'êtes pas dans le troupeau, ça fait plaisir, quoi. Là, le troupeau, il est affreux, hein. Ah ouais? Mais ça se fonce dedans. Mais non, mais ça se fonce dedans exprès et tout. Ah ouais, ouais, j'aimerais pas y être. Hein. Et moi, il y a quelqu'un qui me suit. Il y a Romanasso qui me suit d'ailleurs. Ok. Il me rattrape parce que je crois qu'il a un véhicule plus rapide que moi. Je sais pas c'est quoi qu'il a. Ah, il a la comète, ok. C'est pour ça qu'il me rattrape. Il a la comète, la salle. La cabrio. Ok. Je vais essayer de faire en sorte qu'il me rattrape pas, mais ça va être compliqué. T'as quoi comme véhicule, toi? Je suis tombé. Aïe, aïe, aïe. J'ai la coquette. Coquette? Ouais, on est tous tombés d'ailleurs. On est tous tombés ici, à part un, je crois. C'est qui est pas tombé? Alors, par contre, je sais pas comment il a fait pour pas tomber. Peut-être qu'il allait pas à fond. C'est qui est pas? C'est Jack. Ok. Alors, Romanasso et moi, là, on a fait exactement la même chose. Tu vois, ceux qui ont pas en taux. Alors, je sais pas s'il est pas en taux. Moi, je suis tombé, il y avait un saut, c'est ça? Ouais. Ouais, bah ouais. On est tous tombés, sauf un. Donc, est-ce que c'est parce qu'il va pas vite ou c'est parce qu'il est en taux, la salle, je pense? Les deux. Oh ouais, comme... Non, what the fuck, la probabilité. J'ai vu, c'était sous mes yeux. What the fuck. Mais non. Mais la probabilité que je me tape un gars ici, elle est de combien, la salle? Ah ouais. Elle est faible, hein. Oh my god, il a dû être choqué lui aussi. Ouais. Ok, alors, bon bah écoutez, j'étais premier, sixième malheureusement à cause des aléas du direct. Ah bah c'est toi la salle là. Là ouais. Allez. Putain, faut pas aller à fond en fait. Faut y aller en mode escargot, j'ai remarqué. Ok, je vais rester au milieu. On sait jamais. En tout cas, c'est vrai que là les autres ont un peu du mal. Ok. La deuxième, la salle, elle est plutôt pas mal aussi. Bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de looping. Non, je tombe dans le vide, mais attends. C'est trop là. Oh punaise, il y a Romanasso qui m'a poussé. Enfin, j'ai foncé sur lui. Ah bah, j'ai pas assez d'élan. Eh bah, c'est parfait. Ok. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, de vous, tout le monde est là. Ah ouais, mais moi, je suis en train de perdre toutes mes places, c'est horrible. Toutes mes places à salle. Mon véhicule, il se fait des gommes. J'ai pas assez d'élan. Ah bah Jack qui a fini 3 minutes 39 pour lui. Romanasso qui a fini également. Et bah je pense qu'on va tous finir les gars. Je crois que c'est la fin de la course. On va passer au level un peu plus bah, je dirais pas compliqué, mais un peu plus. Allez, 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 la 10ème place. Oui, top 10. Ok, bah j'ai perdu toutes mes places. Probabilité de 0%. Et bah malheureusement les gars, je me fais des gommes tout le temps. Et on est parti, let's go pour la deuxième course qui va être en cours GTA, parce que j'avais envie de faire des cours GTA. Et attention, parce que là il y a du monde et ça va se dégommer directement la salle, donc je te conseille de bombarder. Ok, j'en ai dégommé un, bah je te dégomme la salle. Ah ouais. Ah ouais, c'est la guerre. Alors celle-ci est un peu plus compliquée parce qu'on n'est pas guidé. Ok. Non. Non, je suis en train de regarder derrière moi. Ok, je vais aller à gauche, je pense, parce que je serais plus avantagé. Par contre, j'ai dégommé tout le monde de la salle, c'est abusé. Hein. Tu vois, le fait de partir premier dans une course,
Ça avantage pas mal quand même. Bonsoir la salle. Je What? me suis fait des gommes. Fuck, ok, j'ai eu le point. Ah ouais, mais abusé. Ah, ça carrément, ça suicide sur moi la salle. Hein. Ça, par contre, ce genre de joueur, je déteste. Voilà, je le dis, je déteste. Pourquoi? Parce que là, tu vois, c'est pas il joue la course. C'est il joue vraiment le. Tu sais, il s'en fout quoi. Il cherche pas les positions, en tout cas, le premier est juste là. On va pas trop rester derrière lui. En plus, il a récupéré un boost. C'est qui le premier? C'est Skim ça. Ok. Allez, dégomme-le. Oui, parfait. Tu prends pas ma première place, c'est tout. C'est moi qui décide. Ok. Écoute, là, ça, je suis première. Par contre, il n'y a Bien personne joué. avec moi. Oh, mais abusé! Ça fait 2 fois que je te fonce dessus! C'est trop! Non! La salle, tu t'es vengé pour une fois! Allez. Allez, je suis premier, toujours. Ok. Ah bah, hé, la salle, c'est trop! Encore une troisième fois, on a failli se foncer dessus. Ouais, c'est, je suis d'accord, mais c'est magnifique. Ouais, franchement, la course est bien. Bon, là, on s'amuse en même temps. On est dans une course qui est un peu plus compliquée. Pourquoi un peu plus compliquée? Parce que déjà, c'est en GTA, la salle. Et surtout, on a ces loopings qui, pour certains joueurs, peuvent faire stresser, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, nous, ça ne nous fait pas stresser. Hein. C'est vraiment easy pour nous. Alors, pour ma part à moi. Mais la troisième, vous allez voir que ça va être un peu plus. C'est que je suis en adder, moi. Eh Non, bah, non, non, bonsoir la non, non, salle, non, je non, te non, 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 vois, je non, suis non, non, désolé la non. salle. La salle, je crois que t'as été mon ennemi dans cette course. Oh là là, à cause de toi, on m'a doublé. Ah, bon, on m'a d'accord. Allez. À cause de toi, je suis cinquième. What the Je fuck? suis premier, mais tu vois, premier en dégommant les gens. Et ça, c'est magnifique. Mais c'est vrai que la salle, je sais pas pourquoi, t'es le seul joueur que je croise à chaque fois. Hein. Alors que pourtant, j'en croise. Hein. Mais à chaque fois que vraiment il y a un truc, je te croise toi quoi. Ok, bon en tout cas je suis premier, je pense que je vais finir, non? Parce qu'il n'y a plus personne là ici. Hein. Bah, du coup je peux plus me battre si je suis deg. Oh je l'ai eu. Oh oui là là c'est beau, ça c'est beau, je suis en train de dégommer tout le monde. C'est magnifique, je kiffe. Non. Moi, je fais snap. Ok, c'est bon. Eh ben écoutez, la salle première place pour moi. T'es combien, tiens? Bien Avec joué. tous les trucs que je te dégomme là. Bah, troisième, du coup, j'ai re-rattrapé quelques places, Ah mais bah c'est ça tendu. va, t'es dans le top 3 quoi. Bon, on va laisser les joueurs se dégommer et nous on va passer les gars à la dernière course de cette activité. Du coup les gars, on est parti pour la dernière course, level un peu plus compliqué. Cette fois-ci, on est vraiment dans le level pro. Va-t-on réussir à la finir? Bon, je pense, hein, les gars, quand même. On n'est pas des débutants. En tout cas, bon, on a eu un petit bug de connexion. J'ai ma box qui a complètement pété les plombs. Je sais pas ce qu'il y a eu. Donc du coup, j'avais plus de connexion pendant 1 heure. Malheureusement, la salle nous a quittés. En tout cas, c'est pas grave. On est parti pour la dernière course en mode solo. Et du coup, c'est une sprint race. Donc bon, ça, pour l'instant, ça m'a pas l'air très très compliqué que ça. Et apparemment, il faut être en super sportif pour ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, déjà, je suis pas mal. Il y a du wall ride, je crois. Non, il y a même pas de... Ah si, si, il y a du wall ride, je crois, les gars. Et du relais, et du stun, mais là pour l'instant, vraiment simple, tout le monde peut finir. On va voir maintenant s'il y aura des trucs un peu plus, disons, un peu plus compliqués. En tout cas, la deuxième, elle est vraiment stylée, j'ai bien kiffé. Le fait de la faire avec des gens et tout, c'était sympathique. On a 12 sur 35, pour l'instant, c'est que de la route, les gars. Il n'y a rien de compliqué jusque-là. Ah, mais il y a même des véhicules. Oh, ok, pas mal. Il y a même des véhicules de jeu, calme, j'ai envie de dire. Alors. Où sont les... Ah, je vois en haut, il y a du truc là-bas. Ah, il y a du wall ride en haut. Il y a du wall ride en haut. Alors là, on rappelle quand même que pour, là, on lance vraiment des courses
Genre, faut commencer GTA, quoi, on va dire. Est-ce que quelqu'un qui commence GTA peut finir ou pas cette course? Pour le moment, c'est le cas. Il n'y a rien de vraiment dangereux, j'ai envie de dire. C'est un petit wallride. Est-ce qu'on stressait quand on faisait des wallrides comme ça? Non, parce qu'en fait, à l'époque, déjà, il n'y avait même pas de wallride comme ça. C'est vrai. Quand on a commencé GTA, les gars, les courses casse-cou, pardon, n'existaient pas du tout. En fait, donc c'est vrai que là, pour le coup, eh bien, elles existent. Ouais, ok. Faut pas. Ça aussi, pareil, hein. Les trucs qui tournent, je me rappelle la première fois qu'on a fait les courses casse-cou, ça me stressait, je sais pas pourquoi. Alors que maintenant, tu sais, si tu connais un peu le système. Alors qu'au début, t'es stressé. Alors que maintenant, tu vois, genre. Bah c'est plus simple, donc tu vois tu peux te permettre de faire genre tu peux te permettre genre de faire des trucs comme ça, tu vois par exemple. Hop voilà, easy. Tu vois c'est devenu easy les gars, c'est devenu vraiment easy. Ok, magnifique ce que j'ai fait quand même. C'est vrai que là j'ai vu un gars, je sais plus c'était où, je crois c'était sur Instagram ou je sais plus, qui avait fait ce genre de truc. Et je sais plus la vidéo l'a fait combien de vues, alors que c'est vraiment trop simple quoi. Après le faire à tous les coups, est-ce que c'est bien ou pas? Je vous recommande pas, mais c'est vrai que pour impressionner vos potes, bah vous pouvez faire ce genre de truc. Alors, là pour l'instant, on est tranquille. Alors, on va le tenter une deuxième fois, les gars. Je suis chaud. Je suis chaud pour le tenter une deuxième fois, les gars. Non. Je suis allé trop vite, les gars. Ok. Ouais, si, on le fait une deuxième fois en fait. Non! L'alien qui me perturbe. Non, moi je vais faire normal. Hein. Bon, disons qu'en fait, faut pas aller à fond. En vrai, j'aurais pu le faire une deuxième fois. Mais allez, disons que là, on s'est dit, allez, pourquoi pas, why not? Bon, en tout cas, on a 31 sur 35, on arrive à la fin de la course bientôt, les gars. Et pour l'instant, je dois vous avouer que par rapport aux autres, il n'y a pas non plus abusé de difficultés. Peut-être un wall ride là qui va faire stresser un peu les joueurs. Pour ma part, c'est lui easy. C'est lui easy. Ok. Il y a des gens qui peuvent stresser sur ce genre de wall ride, alors que franchement, les gars. Ok. On valide. Voilà. On valide. 2002. Pro 2002. Ok. Eh bien, c'est la fin. D'accord. Eh bien, franchement, c'était easy. 4 minutes 14 pour cette course. Je valide fortement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La prochaine fois, on ira au level Asian, les gars. Voilà, je vous le dis.